Alors, on est maintenant à la salle Tudor du magasin Ogilvy, qui est une des premières salles de concert de Montréal, érigée dans les années 20. Et ce sera ici même où, quatre vendredis pendant l'année, on va avoir nos concerts Croque Baroque, donc de midi à 1h. Le premier concert qui va s'appeler Badinerie sera donc ici avec... 9 musiciens sur scène. On va avoir, entre autres, 2 musiciens de la relève, Vincent Lozé et Tania Laperrière. Ça va avoir lieu le 11 octobre à la salle Tudor du magasin Ogilvy. Pendant le concert Badinerie, on va entendre 2 musiciens de la relève. On va entendre Tania Laperrière, violoniste, qui est avec nous depuis quelques années maintenant, mais qu'on aime beaucoup et qui a vraiment une très grande sensibilité. On aime beaucoup collaborer avec elle. On va aussi entendre Vincent Lozé, flûtiste à bec absolument incroyable, qui est juste récemment été nominé comme Révélation Radio-Canada 2013-2014, un grand virtuose qu'on va entendre plus particulièrement pendant le concerto de Téléman au concert, justement. Pendant le concert Badinerie, on va entendre plusieurs grandes pièces de Bach et de Téléman. On va entendre le concerto brandebourgeois numéro 5, œuvre iconique de Bach. Il en a écrit plusieurs. Ce dernier est vraiment une manifestation très grande de joie avec une partie au clavecin absolument incroyable. On va aussi entendre un concerto en mi mineur de Téléman qui mettra vraiment de l'avant Vincent Lozé. Aussi au programme, évidemment, la badinerie de Johann Sebastian Bach, très légère, très rythmée. On va vraiment célébrer avec cette pièce-là la joie de la musique baroque. Donc 9 musiciens sur scène, un programme tout en grande pièce baroque. Ce sera vraiment une très très grande fête le 11 octobre à la salle Tudor du magasin Ogilvy, de midi à 1h. Pour le concert Badinerie, concert d'ouverture de la série Croque Baroque.